la plage qu'on a rencontré Parrain, la vraie fortune de la famille. C'est à lui qu'on la doit. Vous allez vous rincer en sortant de l'eau? Non mais dites pas le contraire, hein. Vous allez plonger vos corps dégoûtants dans cette mer cristalline et après vous allez vous rincer pour vous débarrasser du sel. Je me trompe? Non, non. Bien sûr, oui. On va se rincer. Ah, et elle? Qui va la rincer, elle? Vous avez songé à ça? Vous prenez la mer pour votre baignoire? Les océans sont les fonds baptismaux de l'humanité. On n'entre pas les pieds sales dans le bénitier du bon Dieu. La douche, il faut la prendre avant d'y entrer, et pas en sortant. Et au savon, s'il vous plaît. Allez, vous avez 10 secondes pour m'acheter le dernier. J'ai vendu tous les autres. Il n'y a plus que vous pour être crasseux sur cette plage. 10, 9, pas oui. Hey, celui-là, il faut l'embaucher. C'est une vraie force de frappe. Directeur du ventre, tout de suite. Avec lui, on va bouffer le marché. Et en plus, c'est un des nôtres. Ah. Dis-moi, toi. Ah. Dis donc, t'en as vendu combien aujourd'hui? 17 corbeilles. 7. Il a 17? 7. Non, je dis 17. Mais c'est quoi ce petit accent? Quel accent? Chanel numéro 5. C'est exact, monsieur. Porsche Panamera Turbo S. Excellent, monsieur. Non, inutile, inutile. Je l'ai reconnu au bouchon. Perrier, Jouet, Belle Époque, 1972. Félicitations, monsieur. L'avant-dernière collection. Ah. Alors là, tu n'as aucun mérite. J'ai jeté les miennes la semaine dernière. Il n'y a rien d'un peu plus... Ce ne sera pas nécessaire. Mesdemoiselles, messieurs, veuillez accepter nos excuses et... Bienvenue au club. Merci.